message importe, comme truc. C'est assez, assez incommensurable en fait. Je suis depuis 40 ans dans le métier. J'avais jamais été arrêté plus de 3 semaines. Et là, vous voyez, on est arrêté 2 mois. Donc, on se dit, est-ce que j'aurai encore. C'est presque cette question-là. Est-ce que je saurai encore. C'est comme le vélo, ça se perd pas, certes, mais. Ouais, c'est. Waouh, c'est. Ouais, c'est. J'ai pas le mot en fait. On est dans l'inédit, on est tellement dans l'inédit. J'ai pas le mot, mais ça fait du bien en tout cas. Est-ce que la visière, est-ce que c'est dérangeant de garder ses distances aussi? Bah, j'ai pas le choix. Il suffit que tu craches à la goule. Non. Là, vous enregistrez en plus. Non. Il faut passer par là, donc on va reprendre nos habitudes, on va accepter cette contrainte. Je ne veux pas dire que ça va être un plaisir un jour, ça sera sans doute moins contraignant dans 4-5 jours, parce que voilà, gaffe, il faut juste pas, on va pas s'habituer de toute façon. Et ouvrir son salon en pleine nuit? Ça, c'est jouissif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le premier, moi j'aime ça, parce que j'appartiens à la première entreprise de France. Ouais, de bouger les codes un peu, alors c'est long, mais ça va marcher. Et donc on peut faire un dégradé américain réussi, même avec des élastiques de masse derrière les oreilles. C'est le constat que vous êtes en train de faire. Donc, enfin, si monsieur qui vient se faire couper les cheveux en pleine nuit est d'accord aussi. Et ça fait quel effet du coup de se faire couper les cheveux pendant que la ville dort? Je sais pas, c'est sympa. Ouais, c'est sympa.